Les enjeux de la transition énergétique en Outre-mer, c'est bien entendu de décarboner le mix de production électrique. Et aujourd'hui, sur l'ensemble des territoires, on a des projets avec tous les opérateurs de production de biomasse liquide ou de biomasse solide pour décarboner le mix énergétique. Et donc, dans 10 ans, on pense à EDF que tous les Outre-mer, c'est-à-dire la Réunion, la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, Saint-Pierre-et-Miquelon, les Outre-mer dont nous avons la charge seront décarbonés. Alors dans l'ensemble des territoires d'Outre-mer, il y a un potentiel éolien, bien entendu, qui est différencié suivant les différentes îles, puisqu'il y a des courants de vent qui ne sont pas forcément très exploitables partout. Et puis, bien entendu, il y a du photovoltaïque. Et celui-là, c'est une source d'énergie qui est simple à installer, qui peut être mis dans tous les territoires. Bien entendu, il y a des questions de foncier qu'il faut trouver, mais c'est un enjeu important. Le photovoltaïque est relativement simple, entre guillemets, à réaliser. Je pense que les financements en Outre-mer sont aujourd'hui bien portés par la CRE. La Commission de régulation de l'électricité a mis en place des mécanismes qui permettent à l'ensemble des opérateurs, l'ensemble des porteurs de projets, d'avoir une discussion, une proposition de valeur. Et je pense qu'aujourd'hui, ça fonctionne assez bien. Ça peut probablement être amélioré. Mais je pense que les mécanismes doivent se poursuivre dans les prochaines années.